recherches en aménagement paysager sont de plus en plus grosses. Mais comment est-ce qu'on installe ça, ces grosses marches-là? OK, là, je peux-tu la mettre à terre? En aménagement paysager, on voit de plus en plus de grandes marches. Et c'est avec ces grandes marches-là qu'on arrive à faire des projets qui sont encore plus spectaculaires qu'on pouvait voir auparavant. C'est sûr que ces marches-là sont de gros volumes et peuvent peser plusieurs centaines de livres à installer. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas installer ça simplement deux personnes qui vont poser une marche une après l'autre. C'est très dangereux au niveau de se coincer des doigts ou se faire mal au dos même. Alors, il existe des outils pour installer ça. On parle de pinces pour installer ces marches-là et avec de l'équipement nécessaire, on arrive à installer ces marches-là au bon endroit, solide et pour toujours. Alors, je vous invite à regarder le petit vidéo qui vous explique comment installer une marche. Et c'est la première marche qu'on va installer dans cette vidéo-là et qui va suivre avec toutes les autres une après l'autre. Alors, vous allez voir que c'est pas de gros efforts à installer. L'important, c'est que ça prend les outils qu'il faut. Ce bloc de béton plein de 4 par 8 par 16 sous mes marches Roca va soutenir cet encastrement. J'installe ces blocs et je les incline très légèrement vers l'avant. C'est bon. Parfait. Je vérifie avec mon niveau de 6 pieds. Bien. Une fois ces blocs en place, je peux étaler ma colle et installer mon premier bloc Roca. All right, bring it in. C'est bon, allez-y. Let's line it up with the front of these. Alignons-la sur l'avant de ces blocs. We're good. C'est bon. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour en savoir plus sur cette chronique ou bien de me donner vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à communiquer avec vous sur les questions que vous pouvez me poser sur les vidéos que je peux faire. Rappelez-vous aussi que c'est important de partager pour que toute notre communauté puisse en profiter. Je vous dis à bientôt, Paveur Dan.